Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous sommes de lundi. Une perspective donnée par le Saint-Esprit. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Éphésiens 1, versets 16 et 17. Rendant compte de ses prières, Paul témoigne d'une requête centrale qu'il place devant le trône de Dieu. Il a déjà fait remarquer que le Saint-Esprit est venu dans la vie des croyants au moment de leur conversion. Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Maintenant, Paul prie pour une bénédiction renouvelée de l'esprit afin qu'ils reçoivent une nécessaire perspective spirituelle focalisée sur une plus grande compréhension de Jésus dans sa connaissance. Éphésiens 1, le verset 17 dans la version Darby. Paul prie pour que le Saint-Esprit donne une perspective particulière aux croyants sur trois sujets. Lesquels ? Lisons Éphésiens 1, les versets 17 à 19. Éphésiens 1, les versets 17 à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quand Paul prie pour une vision de l'espérance à laquelle il vous a appelé, Éphésiens 1 verset 18 version Bible français courant, il prie pour qu'il soit conscient des actions passées que Dieu a déjà entreprises pour leur salut, Éphésiens 1, les versets 3 à 9 et les versets 11 à 13, et conscient de l'avenir glorieux qu'il leur a préparé, Éphésiens 1, les versets 10 et 14. Quand il prie pour une vision des richesses de la gloire de son héritage dans les saints, Éphésiens 1, le verset 18 dans la version Darby, il se souvient de l'idée vétérotestamentaire des croyants comme héritage de Dieu. Deutéronome 9, le verset 29, Deutéronome 32, le verset 9, Zacharie 2, le verset 12, voire aussi Éphésiens 1, le verset 11. Paul leur souhaite de savoir non seulement qu'ils possèdent un héritage de la part de Dieu, mais qu'ils sont l'héritage de Dieu et il veut qu'ils comprennent la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Quand Paul prie pour une perspective spirituelle sur la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, Éphésiens 1, verset 19, il imagine le Saint-Esprit apportant une compréhension renouvelée de l'immensité de la puissance de Dieu et la concrétisant dans leur vie. Dans toutes ses prières, Paul veut que ces gens fassent l'expérience pour eux-mêmes de ce qu'ils ont reçu en Jésus. Comment mieux connaître la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons? Comment cela se traduit-il au quotidien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.